Bonsoir et bienvenue à la poule aux œufs d'or. Est-ce qu'ils se sont remis de leurs émotions de la semaine passée? On peut se poser la question. Voici Julie Houle et Sébastien Lenoir. Bonsoir, bon dimanche. Bonsoir à la maison, bonsoir à notre public en studio. Ouais, on en a vécu sur ce plateau des émotions le week-end passé. Dimanche dernier, c'était spectaculaire, regardez ça. Eh bien voilà, c'est aujourd'hui qu'on fait un millionnaire sur ce plateau. Les gros! Belles émotions. Jacques Sénécal de Terrebonne, félicitations encore. En tout, il est reparti avec 1 527 000 $. Est-ce que je le répète, 1 527 000 $? On pourrait vivre d'autres moments comme ça aujourd'hui sur ce plateau. Alors nous, on est prêts à jouer et on cède la parole à celui qui sera aux commandes de Salut Bonjour Week-end l'automne prochain. Bravo Richard Turcotte! Oui! Merci, merci, c'est gentil, j'apprécie. Pour le premier bloc, c'est des représentants. Alors, tout d'abord, Marie-Ève Gagnon de Saint-Alexandre de Kamouraska, elle, est digne représentante du groupe 5 poulettes et un coq. Bonsoir, Marie-Ève. Allô, Marie! Et on aurait voulu que Richard vous trouve un nom qu'on n'aurait pas fait mieux. Ça existe pour vrai, ce groupe-là. Ça existe pour vrai? C'est qui? Depuis 3 ans, c'est 5 poulettes et un coq. Pourquoi? Parce qu'on a un seul homme dans notre groupe et on est 6 au total. Donc, je suis la représentante aujourd'hui. C'est tous des collègues de travail. Quel beau groupe! Et donc, vous êtes dans une résidence et il y a 130 résidents qui nous regardent ce soir. Oui, ils écoutent présentement. Bonsoir! Allô? Ils doivent plus pouvoir d'avoir leur directrice sur place. Ils attendaient ça depuis 16 semaines. Ben, moi, j'attendais aussi votre présence depuis très longtemps. Ben, contente merci de jouer avec vous dans quelques instants. À tout de suite, Marie-Ève. De son côté, Nathalie Ouellet de Longue-Pointe de Mingan, elle représente sa maman Muriel. Hey Nathalie, bienvenue. Salut. On va prendre le temps de saluer Muriel qui est là. Allô Muriel, allô Muriel. En quelque sorte, vous complétez, c'est comme la deuxième partie de votre cadeau ce soir à la poule. Oui. Oui, oui. Pourquoi au juste? C'est un billet que j'ai offert pour son anniversaire. Oui. Puis elle a gagné 3TV. Exact. Et là, elle vous a demandé de la représenter. C'est moi qui la représente. Bon, ben, je suis sûr que vous allez très bien faire ça. Je vous demande d'aller au roues tout de suite. On va aussi aller du côté de Marie-Ève. C'est parti. Alors, c'est parti. Marie-Ève, Nathalie, nos dignes représentantes, tournent ses premières roues, ses premières 6 roues pour 25 000 $ parce que c'est le premier tirage de la soirée, premier tour de roue. Le deuxième, ce sera pour 50 000 $ et le troisième pour 100 000 $ C'est toujours décomposable dans les deux sens et c'est toujours sous la supervision de la firme MNP. Et il peut y avoir des doublés, il peut y avoir des triplés, tout est possible. Et on a... Alors... Oui, on a un doublé du côté de Sébastien. Et voici la combinaison gagnante pour 25 000 $ Alors, il s'agit du 915070. Le 0 est doublé. Ça donne donc droit à un jeu boni qui sera choisi au hasard. C'est le fun, ça. On va déjà encaisser de l'argent avant même de commencer officiellement notre jeu avec le chanceux. Il suffit de faire la paire. Dès que vous avez 2 symboles identiques, vous gagnez le montant qui est rattaché. Alors, allez-y, on ouvre les cartes. On y va, on commence avec la 8. Option du trèfle à 4 feuilles pour 5 000. Je vous demande évidemment de tourner une autre carte. 25 000. On continue, il faut faire la paire. 2 500 pour l'étoile. Encore une fois. Et l'étoile est là. On jumelle ça pour 2 500 $ Bravo. Et on va regarder le tableau pour savoir, on est tous curieux, où était la deuxième poulette tout juste en haut. Voilà, on commence comme ça, puis on va aller mélanger les portes. Après, le jeu des roues, le jeu des portes. Et entre ça, on a fait un petit jeu boni, c'est extraordinaire. Mm-hmm. On s'en va voir l'ouverture automatique de la porte 9 pour débuter pour Marie-Ève et son clan. Ouais! Ouais! La porte 1, 1000 $ Et la porte 5, 1500. Excellent. Alors, pour vous, Nathalie et votre maman Muriel, on va ouvrir la porte numéro 7. On va se garder la porte 0 pour la fin. Et évidemment, parce qu'on a un doublé, on multiplie par 2 tout ce qui se trouve derrière la porte 0. Comme aime le dire mon amie Julie, c'est sous le signe de l'argent avec 7 000 $ On a un plan avec la gang. Oui, allez-y, exécutez le plan. Ce qui a été convenu, la porte 2, 3 500, c'est payant. Est-ce que Muriel vous a donné des portes à ouvrir ou on y va, comme on dit, freestyle? Je pense qu'on y va freestyle. J'ai pas eu la réponse. 1 500. 6 000. 1 900. La porte 6. Deuxième. Nathalie, je veux pas vous dire quoi faire, mais elles ont l'avance de l'autre côté. Derrière la 5, 1 000 $ supplémentaires. 9 500. La main vous revient. La porte 3, 2 000.
8 000 deux œufs. On est encore là. Ouais, mais nous revient. 8. Ben oui, enfin, un coco. Je veux pas vous cacher, là. Je sais que vous les regardez. J'ai tout me placer. 1 500. Allez, on y va pour un 2 en 2, là. Allez-y. 1, 2, 3, 6 ou 9. On dépasse le cap des 10 000 avec l'ouverture de cette porte. Un troisième œuf, on s'en va au jeu de la foule enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a là? Puisqu'on est les derniers à s'exécuter, vous avez le droit d'ouvrir une autre porte. Allez-y. On va rajouter. Et c'est un coco. Et vous savez ce que ça veut dire? Chaque œuf qu'on découvre, c'est 1 000 par œuf. Donc, à 10 500, on rajoute 2 000. 12 500 $ pour Muriel. Nathalie, merci d'avoir joué merci avec nous. Beaucoup. Et Marie-Ève, bonne chance pour la suite avec le groupe. Merci. Le code de la gang est émotif. Oui! Hein? Le seul joueur homme est devenu tout émotif. Je vous ai vu comme éviter son regard pour pas vous laisser un peu. Mais c'est correct. C'est beau, les émotions, on aime ça. Quel œuf je vais chercher pour vous? Le numéro 6, s'il te plaît. Numéro 6, ah! Vous êtes un groupe de 6. Oui, effectivement. Le 6, venez me rejoindre ici. Marie-Ève, l'atmosphère au travail devait être explosée. C'est explosif. Tout le monde attend cette fameuse émission de ce dimanche. Oh, Seigneur. Oui. Je vous en prie, amenez-moi une enveloppe. Non, mais quand vous l'avez découvert aussi, là. Tu sais, quand Mélanie a dit, OK, on a trois télés, on se réunit, toute C'était la gang. C'était la folie dans mon bureau. La folie se poursuit. Oui. Aujourd'hui, je vous propose 15 000 $ ici qu'il y avait dans votre enveloppe. C'est un montant de réflexion. Voici le tableau. 15 000 $ la ligne dorée. Le reste, tout ce qu'on peut retrouver dans l'œuf numéro 6. Vous avez quelques collègues avec vous qui font partie de votre groupe. Je sais que vous voulez les regarder. Je vous donne 10 secondes de réflexion. Merci. Je le sais qu'en tant que directrice, vous prenez des décisions, mais je sais que vous êtes une femme d'équipe également. Effectivement. Je vous ai vu consulter la gang. Qu'est-ce qu'on fait? On y va avec tout le monde. Avec l'œuf, s'il te plaît. Fait. Avec l'œuf, on met le 15 000 de côté. Un beau gros lot qui est reparti tout neuf à 150 000 $ Qu'est-ce qu'on a ici? On a un montant de 20 000 $ qu'on va ajouter à vos gains des portes pour 29 500 $ à séparer avec votre belle gang. Bougez pas la maison, on s'en vient dans quelques instants avec un deuxième jeu. Premier jeu de compléter. Check. 42 000 $ donné. Check. Hey, moi, j'aimerais ça faire gros lot check. Fait que, on s'en va au prochain jeu. Qui a semé la panique à Saint-Charles-de-Bellechasse? Sylvain Blais. Bonsoir, Sylvain. Salut, Julie. Oui, parce que vous étiez empressé d'aviser votre fils et votre mère qui habitent tout proche. Oui, très proche. Sauf que quand vous avez dit venez vous en vite à la maison, eux autres, ils n'étaient pas sûrs. Ils pensaient que c'était une mauvaise nouvelle, mais en réalité, c'était une bonne nouvelle. C'était une très bonne très nouvelle. Bonne. Enfin, après 31 ans d'attente, on s'annule ensemble dans quelques instants. Manon Perrault de Amherst souhaite que, grâce à la poule, elle puisse aller voir son frère chez nos cousins. Ah, OK. Votre frère Michel, lui, vit en France? Oui. Où exactement? À Lille. D'accord. Il revient quelques fois au pays? Oui. Mais vous, de votre côté? Ah, j'ai jamais été. Alors, imaginez, avec un peu d'argent, on pourrait aller voir son frère, aller voir dans la ville de Lille où il vit. On souhaite ça, d'autres voyages, puis tout ce que vous voulez. La poule est bien généreuse. Allez au roux, c'est parti. Bonne chance, Manon. Alors, je vous souhaite bonne chance du coup. On est au deuxième tour de roue pour 50 000 $ cette fois-ci. Et les gens scandent agréablement le doublé, hein? Le demandent même, l'exigent, mais ça restera toujours de la chance, vous le savez. C'est notre deuxième tirage de la soirée. Le troisième sera pour 100 000 $ Alors, ça s'immobilise tranquillement. Attention. Oui, OK. C'est fait. La combinaison gagnante pour 50 000 $ Il s'agit du 7-3-9-3-2-0. Merci, Richard. Bonne chance à vous à la maison. De notre côté, c'est le moment du jeu des portes, mélange automatique et ouverture automatique des premières portes. Nous, on regarde ce qui se passe. D'abord, avec notre porte 7, 1 000 $ La porte 3, 2 000 Et la porte 9, 1 500 C'est sous le signe de l'argent. Mot départ. On y va avec l'ouverture de la porte numéro 3 pour l'équipe des Bleus de Manon. Et on passe en force avec un 9. La 2, 1 500 Et on a une dernière porte à ouvrir qui est la 0, automatiquement. Voilà, 3 000 et un 9 dans le panier. C'est le moment d'ouvrir des portes. Celle de votre choix pour ce tour-ci, la porte 0, 1 000 $ de plus. Là, l'écran s'illumine devant vous.
Vous choisissez ce qui vous tente. Porte 9, le plus haut montant dans ce jeu, 6500. La main nous revient à la porte 4, 1500. On a un bon rythme à ce jeu-là. Ça va bien pour Manon. Qui engrange un autre 1500 supplémentaire. Les œufs se font plus rares en ce début de partie. Et voilà, il fallait en parler. La porte 6, bravo. OK, là, c'est l'égalité, mais on pourrait briser ça tout de suite. Son idée était faite d'y aller vers la porte 4, qui lui octroie 1000 supplémentaires. Petit regard à la famille. La porte 5, 2! OK, OK. Là, je vous ai vu regarder famille et amis. On a des suggestions. Mais c'est vous qui avez le choix final. Porte 6 nous donne un deuxième. Très belle partie, deux œufs de chaque côté. La porte 2, 3500, c'est payant. C'est beau. Une chance sur trois de passer à l'étape suivante. Porte 1, ça se passera pas là. On s'en va de l'autre côté. La porte 8, 1500. Oh, oh! Une chance sur deux de passer à l'étape suivante. Elle retient son souffle. Yes! La porte 5 pour un troisième. Ça a passé proche de notre côté. On fait les comptes. 12 000 $, 1 000 $ pour chacun des autres. Vous avez trouvé 14 000 $ et on salue famille, amis et beaux gens avec qui vous dansez comme cuir. Merci. Manon, je vous ai vu. Oui. Le cœur, le ventre, il se passe quelque chose, là. Oui, il se passe quelque chose. On va regarder du côté du poulailler. Hein? On a des belles options. Le coco 6, évidemment, c'est impossible. Qu'est-ce qui vous tente? Le numéro 19, s'il te plaît. OK, le 19. Je m'en vais chercher ça pour vous. Je vais vous demander de vous approcher. Est-ce que c'était dans votre plan de match, ça, le numéro 19? Très longtemps. Oui. Pourquoi le numéro 19? Ah oui, OK. Un numéro comme ça qui vous appelle, mais rien de significatif des dates d'anniversaire? Non, même pas. Non. OK, parfait. Je vous demande d'aller choisir une enveloppe qui sera évidemment le montant de réflexion. J'ouvre ça avec grand bonheur et je vous présente un montant de 40 000 $. Et là, vous comprenez qu'avec la réaction du public, là, oh, c'est pas une décision qui est facile. Regardez bien l'écran. 40 000, c'est là où vous êtes. Évidemment, en rouge, les œufs valent moins. Ouais. En bleu, les œufs valent plus. C'est donc la décomposition de tout ce qui pourrait se retrouver dans l'œuf numéro 19. Je me tasse. Question de regarder famille, amis, chum. Dites-moi donc ce qu'on va faire dans 10 secondes. OK. J'aime le répéter, il y a plein de suggestions. Mais c'est vous qui avez le choix final, c'est vous qui êtes notre gagnante. Qu'est-ce que vous faites? Je vais prendre l'argent. On prend l'argent et avec grand plaisir, je vous remets le 40 000. Mais c'est pas tout à fait ça parce qu'il y a eu 10 000 dans le jeu des pas. Ça vous fait 50 000 pour Manon. Oui. Mais Manon, évidemment... On va aller voir. C'est les règlements de la maison, comme on dit, on va aller voir ce qui se cachait dans l'œuf numéro 19. Et dans cet œuf 19, on avait 12 000 $. Ben, qu'un! Ça va-tu bien, les affaires? Bon, félicitations, profitez-en, bon voyage. Et vous saluerez Michel, votre frère, du côté de l'île en France. Et vous, ben, partez pas nulle part. Il nous reste un dernier jeu dans quelques instants, la poule aux œufs d'or. Sébastien, est-ce qu'on t'a demandé de signer un autographe durant la pause publicitaire? Oui, pour une amie d'un couple qui est dans le studio en ce moment. OK. On a remis jusqu'à maintenant 106 000 $. Est-ce qu'on peut continuer le jeu? Oui, jeu 3, Richard. Mireille Arsenault de Longueuil salue ses collègues qu'elle souhaite quitter sous peu. On trouvait ça drôle de faire le parallèle parce que vous avez vraiment promis de les saluer. Oui. Ils sont de quel endroit? La compagnie Stelvo. OK, d'Arsène-Bruno. Oui. Mais en même temps, ici, mettons, vous partez avec le gros lot, c'est un peu la retraite que vous regardez. Oui. Ouais. Êtes-vous prête à jouer? Oui. Dans quelques instants, tout de suite. Je connais un chien qui va avoir une nouvelle niche, moi. Les explications avec René Roy de Thetford Mines. René, bienvenue! Merci. OK, qu'est-ce qui s'est passé avec le chien? Pourquoi le chien est dans notre histoire aujourd'hui? Parce que le chien, il avait envie en pleine nuit. Ouais. Puis moi, j'avais acheté un billet que j'avais laissé sur la table. Puis pendant que j'envoyais le chien à l'extérieur, j'ai gratté le billet et je suis ici aujourd'hui. Voilà, puis avez-vous réveillé votre femme aussi? Ouais, j'ai réveillé ma femme à 3 heures du matin pour lui dire qu'on allait à la télé. Excellent. Et là, il y aura une nouvelle niche pour le chien. Il en fait la promesse. Peut-être. On va commencer par tourner les roues. Bonne chance. Allez-y. Allez-y, Mireille aussi. C'est parti.
Oh, ça, c'est du tour de roue, ça. Oh my God. Assez solide, merci. Alors, on est tous prêts pour ce dernier tour de roue de la soirée de l'émission pour 100 000 cette fois-ci, toujours sous la supervision de la firme MNP. Encore une fois, décomposable dans les deux sens. Les gens scandent le doublé, les gens scandent le triplé. Bonne chance à tout le monde. Oh! Officiellement, on a un doublé du côté de Sébastien pour 100 000 870-556. On est même passé proche d'un triplé, imaginez-vous donc. 556, ça veut dire quoi? Jeu boni qui sera choisi au hasard. On va le savoir dans quelques secondes. Avec quoi vous allez vous enrichir? Ce sera luxueux. Luxueux. Ce jeu où vous choisissez la clé qui ouvrira l'un de ces cocos. On peut gagner jusqu'à 13 000. Je vous invite à choisir votre clé. Et on y va avec la clé numéro 2. C'est parti. On va tenter d'ouvrir le coco à 2000. Oh non! 4000 $, c'est déjà l'assurance qu'on a. Je me rétracte. On est assuré d'avoir 7000 $. Et on s'en va jusqu'au dernier œuf. 13000 $ confirmés pour René. On n'a même pas ouvert les portes encore. Ça se prend bien. Ça se prend bien, effectivement. C'était la numéro 2. Voici la décomposition de tout ça, July. On s'en va sur le jeu des portes maintenant. Mélange automatique et ouverture des premières portes. De notre côté, on y va avec la porte 8, s'il vous plaît. 2000 $ suivi de la porte 7. 1500 et la porte 0 pour Mireille. 3500, c'est payant. J'entendais les gens en arrière me dire « Ouf, c'est émouvant, cette affaire-là. On fait rien de commencer. On y va avec l'ouverture automatique de la 6. Oh, okay. J'étais là, oui, j'étais ouais. là. On multiplie par 2 ce qui se trouve derrière la 5. Ouais. Ça devient un 4000 $. Donc, on a un 9 et 17 000 déjà. J'ai quand même eu peur que vous nous ouvriez tout de suite 3 œufs. Heureusement, la main nous revient 1500 de plus. Là, c'est le bon geste que je fais. Regardez votre écran, allez ouvrir une porte. On est excités aujourd'hui. 1000 $ supplémentaires derrière la 9. On a 8500. Allez-y, ma chère. La porte 3, la première œuf. Bravo! On vient de créer l'égalité. Bien joué, Mireille. Venez. Porte 3. On nous amène à 19500 $. Le tableau devant vous, la porte 5, 1000 de plus. Envoyez-donc un 9. Comme on dit, envoyez-donc un 9. Porte 2. Je vous ai provoqué. Mireille, gardez votre sourire, c'est pas fini. La porte 1, 1500 de plus. On en trouve un autre. On passe à l'étape suivante. Est-ce que ce sera derrière la porte 0? Ça nous permet quand même de surpasser les 20 000 $. La porte 9 pour nous, 1000 de plus. En position 2, on y va avec René. Porte 8. C'est gagné! On regarde ensemble comment on conclut le tout. 12 000 plus l'œuf trouvé qui vaut 1000 $. 13 000 pour votre passage avec nous. Merci, merci Mireille. Merci. Merci, Mireille. René, on va terminer le show ensemble. Le poulailler est là. Je vous invite à le regarder et à me dire un numéro. Le 12. Numéro 12. Oui, monsieur. Je m'en vais chercher ça pour vous à l'instant. Le coq a chanté. J'ai besoin d'un deuxième numéro. Le 24. OK, parfait. On n'est pas à court d'options ici, là. Parfait. Venez-vous-en, 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 venez-vous-en. OK. Le 12, le 24, une enveloppe à aller chercher. Je suis excité. Il y a des gens dissipés du côté de René. Ils sont excités, c'est normal, c'est normal. Ce sera le montant de réflexion. Et c'est un montant de 40 000 $. Regardez l'écran, s'il vous plaît. Parce qu'évidemment, on a là la décomposition de tout ce qui pourrait se trouver dans l'œuf numéro 12. Prenez le temps de regarder famille et amis et dites-moi votre réponse dans 10 secondes. L'œuf numéro 12. On y va! On y va! Qu'est-ce qu'on a pour vous dans cet œuf numéro 12? Un montant de 100 000 $! Oh yes!
venez-vous-en, venez-vous-en. Faut aller voir ce qu'il y avait dans le 24, mais en attendant, laissons cet homme célébrer. René, loin de moi l'idée d'interrompre les festivités, mais légalement, voici ce que je dois faire. Il y avait le chant du coq, il y avait donc un deuxième coco, il y a un montant là-dedans. Alors, je me dois de vous demander de regarder l'écran. Est-ce que vous gardez ce 100 000 ou vous êtes curieux et vous allez dans l'œuf numéro 24? Et je dois aussi légalement vous dire que vous avez 10 secondes pour y penser. D'avoir le chant du coq, mais quand on a 100 000, qu'est-ce qu'on fait? C'est vous qui allez me le dire. On le garde. On garde l'argent, parfait. OK. Je vous confirme 120 500 $ parce qu'évidemment, on a eu le jeu des portes. Félicitations. Puis là, on va aller voir ce qu'il y avait là-dedans. Oui. On n'a pas le choix. Il faut ouvrir tous les œufs qui sont choisis dans cette émission. Et on avait un montant de 35 000 $. Voilà. Alors, on finit ça comme ça. Même l'animateur s'est emballé. Quelle affaire de fou. Bravo, bravo. Merci. Julie a des combinaisons télé à nous donner. Voici en bas d'écran qui défile 3 combinaisons gagnantes pour une participation télé. Ça nous ferait tellement plaisir de vous recevoir en studio, que vous soyez nos gagnants également. Et vous pouvez toujours visiter le lotoquebec.com. Richard, il était où notre gros lot? Assez simple. Merci dans l'œuf numéro 1. Ah-ha. Voilà. Merci, Richard. Nous avons donné dans cette émission 239 500 $. Quelle émotion! Notre gros lot grimpe de 25 000 de plus, 175 000 la semaine prochaine. Soyez là dimanche 7 à 30. Merci, hey, c'est beau! Yes! Bye, tout le monde.